Salut, allez, c'est Seb, on est sur Assetto Corsa, premier du nom. Et non, je n'ai pas eu de clé pour Assetto Corsa Evo. On va se faire une petite course sur LFM. Je vais commencer, je ne pourrais pas faire toutes les manches, hein, bien évidemment, puisque il y a 12 semaines sur ce championnat, donc en Mazda. Alors, on va en parler hein, pendant la vidéo, pourquoi j'ai choisi un Mazda. Parce que il y a de la bagarre, il y a des circuits intéressants. Bref, il y a pas mal de choses qui font que ça peut être pas mal. Je suis sur Split 2 et je suis, je crois, 18e, très très loin dans le classement. Bon, le but, c'est surtout de s'amuser et d'essayer de passer un bon moment. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. On va partir juste pour 20 minutes de course. Et bien, on va voir ce que ça peut donner. Alors, on sait que la Mazda, souvent, il y a des contacts. C'est boîte en H, donc vous la voyez, vous la verrez pendant le gameplay. J'espère que ça va pas trop faire bouger la cam. On verra. Vu que je suis fixé dessus. Vous savez, je ferai au mieux comme d'habitude. Et on est parti. Alors vous inquiétez pas, vous n'aurez peut-être pas la place, vous n'aurez peut-être pas le tour. Je vais vous donner tout ça au fur et à mesure. Il reste 20 secondes avant le départ. Donc je suis bien P18 sur 25. Allez! Donc il y a des cuts, il y a des dégâts, il y a tout ce qu'il faut pour... Donc je suis en boîte en H, bien évidemment, tout le monde n'est pas en boîte en H, tout le monde ne joue pas le jeu. Bon, derrière, tu vas où? Oh, il y a du monde, les gars. Oh, il y a du monde. Un petit drapeau jaune déjà. Oh, ouf. Ah, oui, mais ça. Ah, oui, d'accord, ok. Merci, les gars. Ok. Alors, j'ai dit qu'il allait y avoir du contact. J'ai pas dit que ça allait être le bordel. Ça, c'était pas forcément prévu. Bon, ben voilà. Un bon petit départ comme on les aime. Mode remontada. Alors là, c'est plus une remontada qu'il me faut. Allez, encore un qui a dû être poussé. On est 23e, peut-être 22, je sais pas. Donc on va essayer de passer la vitesse tranquillou. Oh le mec, comment il s'est rabattu! Bon bah objectif top 10. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut revoir ses prétentions à la baisse hein, au fur et à mesure et selon comment ça se passe. C'est pas un setup fixe, hein. Il y a effectivement du setup, j'ai fait ce que j'ai pu. Et je me prends facilement 2 secondes, 2 secondes et demie par rapport au premier, donc
Voilà, c'est pas forcément évident de performer. Voilà, je dois freiner parce que ça passera pas. Parce que normalement c'est pied au plancher ici. Voilà, il y a un mort. Je me pose même pas la question s'il m'a vu. Ça c'est... Allez, on va s'engouffrer. Il y a le top 10, il est dans toutes les voitures là. Mais bon, j'ai peut-être été un peu gourmand parce que ça fait quand même 10 bagnoles à doubler. Alors que je suis que 20ème. Top 15, allez. Peut-être revoir un peu les prétentions à la baisse. Je sais pas où aller. Le réflexe du ninja de retour. Je savais pas où aller. Te sers pas celui-là. Ouais mais tourne. Moi je veux bien mais à un moment il faut y aller. Hein. Allez, Penbourg, comme je l'avais dit. Ouais, ça passe. Bon, à mon avis, de toute façon, j'ai des dégâts, vu comment je me suis fait défoncer. Il faut sacrifier la vitesse pour prendre mieux son virage. Ah, il y en a un qui est parti jouer dans le sable. Allez, prends-moi la spi. Ah, je manque de vitesse de pointe. Hein. Ah, moi ça. Ah, c'est pénalisant. C'est pénalisant de se faire défoncer. Tu te casses le cul à passer mieux tes virages, à mieux prendre tes courbes, tes freins et tout ça. Et au final, c'est la vitesse de pointe suite aux dégâts qui te pénalise. Ça, c'est un peu dommage. 17ème pour l'instant. Alors les joueuses, hein, la Mazda, il faut pas trop la faire partir, c'est pas là où on va gagner du temps. Alors c'est sûr que Assetto est un peu moins est moins bon hein, que RF2 par rapport au FFB, mais je suis désolé, hein, sur les serveurs au moins on peut jouer avec des mods. Et ça, ça rallonge considérablement la vie du jeu, puisque
Bah, RF2 propose toujours les mêmes circuits parce qu'il faut de l'officiel, ils ont décidé que c'était comme ça. Ok. J'ai pas de problème avec ça, mais bon, toujours rouler sur les mêmes circuits, les mêmes combos, moi au bout d'un moment, ça me fatigue. Allez, top 15 il est là devant, top 10, on verra selon ce qui va se passer, mais voilà. Allez, on l'a bien passé, on va essayer de se rapprocher. Gauche-droite. Je sais pas pourquoi, je le sens mal là. Oh, je suis à l'inter au prochain. Yes, ça passe. J'aurais pas faire ça. Il me décroise, il est à droite. Ah, il va me faire chier maintenant. Ah ouais, ça touche, tu m'étonnes. Ah oui, ça touche. Je suis obligé de soulager. À gauche. Allez, il reste 8 minutes 30. Là, il est à gauche. Je ne les vois pas encore sur mon triple screen. Et je suis à l'intérieur, donc normalement, j'ai l'avantage. Il est à côté de moi. Ça revient derrière. Où ils me font peur derrière? Où ils me font peur? C'est la rouge qui est passée.
Allez, 6 minutes 30, 16e. Allez, il me reprend derrière. Il me reprend. Qu'est-ce que je peux faire? Course gâchée sur un départ de merde. Fait bouffer en ligne droite. Ouais, c'est pas mal de se mettre devant au frein. C'est une stratégie. Hein. De salopard, mais c'est une stratégie quand même. On va faire croire qu'on reste là. Allez, on ressort mieux. Allez, 5 minutes. Je suis là. Allez, chope-moi la spie là. Quatre minutes. 17e. Oh, lui va me faire chier lui. Lui va me faire chier. Merci, merci, merci. Merci, merci monsieur. Merci madame. Je ne dis rien. Fait de contrôle. Bon, on s'énerve, de toute façon, ça fait partie de la course. À partir de là, vénère, oui, mais non, je vais plus m'énerver. Enfin, en tout cas, pas cette fois-ci. La prochaine fois, je prendrai un tank pour rouler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, au moins, il y aurait eu de l'action. Moi, je peux pas, vous dire autre chose. Hein. Difficile hein, de garder son sang-froid, de garder sa concentration. C'est pas évident, hein, croyez-moi. Ah oui, elle tourne plus. Hein.
Enfin, c'est quand même une course de 20 minutes. Hein. Je veux dire, à un moment, je me suis quand même fait défoncer deux fois. Chercher l'erreur. Bon, je me suis que... Pardon, je me suis quand même amusé. Parce qu'il y a eu de la bagarre, certes. Il y a eu des cons, ça c'est sûr, mais ça, de toute façon... Je savais que c'était une catégorie à contact. Ça, de toute façon... Voilà, eux, ils vont me faire chier tous les deux. Allez, on accélère, messieurs. On accélère. Ça va être le dernier tour, je pense. On se montre. Alors eux, s'ils sont joueurs, j'aime les choper tous les deux, normalement. Allez. En voilà. Pas, on ne me pousse pas. Il reste un tour pour me défoncer. Là, c'est matrage. Hein. Tu restes où tu es. Alors, il y a un mec à ma droite. La bagarre du fond de peloton. La boîte de vitesse est jaune. Regardez, on passe. Ah non. Est-ce qu'il va tenter le tout pour le tout? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Carnage, fair play. Je suis à l'inter. Je peux rien faire de toute façon. Il me donne 19e et il va passer. Je pense que je suis quand même 19. À confirmer. Ah là là, quelle course de merde. Je suis désolé. Enfin, course de merde. Ça fait partie de la simu maintenant. C'est comme ça. Regarde, les mecs, je suis content. Je vais faire joujou dans le sable. Ça fait partie du truc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est un fait. Râler et faire des vidéos que sur ça, c'est vrai que c'est un peu saoulant. Donc maintenant, peu importe ce qui se passe, le résultat, ça fera tout de même une expérience de course que je vous propose. Comme ça, au moins, vous pouvez voir un peu ce qu'il en est. Venez pas me dire, ouais, il faut tourner en ligue, il faut faire ci ou faire là. Je veux jouer quand je peux, quand ça m'intéresse, tout simplement. Donc je joue en ligne comme ça. Donc il y a des bofs, il y a des couillons, c'est pas grave. Comme je dis toujours, n'oubliez pas, ça ne reste qu'un jeu vidéo. Des fois on gagne, des fois on perd. Moi, je vous laisse là-dessus. J'espère vous proposer d'autres courses sur ce LFM
toujours Mazda, hein, parce que toutes les semaines on change de, comment dirais-je, de circuit. Donc voilà. Donc moi je vais aller voir le replay et je vous dis à une prochaine.